дети, которые выступают, и танцевальный коллектив украшали все наши праздники ассоциации «Калинка» своим присутствием, на самом деле украшали их. И когда мы выступали, когда эти дети, танцевальный коллектив выступали в «Экслибане», то это событие совпало с печальным событием, таким как... Чуть-чуть тише сделаем. Еще тише. Хорошо, уберите. Уберу, уберу. Это событие, новогодний праздник, где мы выступали в «Экслибане», оно совпало с трагическим событием, когда в Дагестане скончалась народная поэтесса Дагестана Фазу Гамзатовна Алиева. И как бы вот этот вот процесс образования новой ассоциации был шагом к тому, чтобы в честь, да, в память, в честь этой легендарной поэтессы, которая была большим другом Расула Гамзатова, мы все знаем его песни, его стихи, на чьи стихи положены многие песни, которые мы знаем. Вот, ну и вот таким образом образовалась эта новая ассоциация, называется «Лезгинка Ганс Фазу». Именно Фазу в честь Фазу Алиевой. Здесь присутствуют члены этой ассоциации, которые ее образовали. Это президент ассоциации Ума Хайбулаева. Мы приветствуем его. Большая помощь, которую нам оказал... Иди сюда. Можно на секундочку? Мы представляем секретаря ассоциации, месье Жозеф, он разрешил нам назвать его Жозефом. Спасибо огромное. И есть, значит, президент, секретарь, и есть у нас трезорье, бухгалтер в этой ассоциации. Да, нужно поаплодируем. Мы даем слово Жозефу, господину Жозефу, месье Жозеф, он тоже скажет два слова. Пожалуйста. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici, Marine, d'avoir été invité. J'ai eu le plaisir de connaître Ouma, qui a démontré une grande passion culturelle dans l'éducation de ses filles, pour la danse, le chant, la musique. Et puis j'ai eu le plaisir de connaître le professeur de danse. Il est où? Elle a caché. Qui lui a démontré vraiment une passion pour son métier, etc. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté d'être le secrétaire d'une nouvelle association de danse de caractère du Daghestan, qui porte le nom d'une poétesse. Comment ça s'appelle? Fazou. Aliva. Voilà. Moi je prononce très très mal. Et puis je suis encore très très heureux d'être ici parce que j'ai toujours eu des sentiments très proches du peuple russe et des anciennes républiques soviétiques. Donc je suis comblé, je suis très content. J'espère que beaucoup d'enfants vont adhérer à cette association pour prendre des cours de danse. Parce qu'il y a un bon professeur, il y a une bonne présidente, il y a une bonne trésorière. Bon, on n'a pas beaucoup de sous, mais on verra avec le temps. Mais essayez de faire connaître cette association dans votre communauté et même en dehors. Essayez d'amener des enfants
de familles françaises qui aimeraient connaître les danses folkloriques du pays de l'Est, c'est très intéressant. Voilà. Et puis, c'est un grand jour aussi, la fête de la victoire, c'est un grand jour. On doit notre liberté, une partie de nos libertés au peuple russe. On a ici, vous avez la photo du commandant Mizier. Toutes les salles de ce bâtiment font référence à des grands patriotes dans notre région. Des gens qui ont participé au combat des Glières, à la résistance, à la libération d'Annecy. Annecy, une ville qui s'est libérée toute seule. C'est les gens eux-mêmes qui ont libéré la ville. Ce n'est pas des troupes étrangères ou alliées. Voilà, c'était le 25 août 1944. Nous, on fête la victoire le 8 mai, mais c'est juste une question de calendrier. Hein, la capitulation avait été signée à Reims, et puis nos alliés russes ont exigé qu'elle soit signée aussi à Berlin. Donc ils sont arrivés à Berlin, les délégations, un peu avant minuit, et la signature s'est faite après minuit. C'est pour ça que nos amis russes fêtent la victoire le 9 mai. Voilà. Il y a une dame tout à l'heure qui me disait « Oui, mais en France, vous ne gardez pas de souvenirs. Ben, on est moins expansif, on est moins... Les jeunes, ils pensent à leur avenir. Le passé, pour eux, c'est loin. Hein, la guerre, c'est très très loin. Voilà. Et puis, merci encore de nous avoir invités. Et puis, venez amener vos enfants nombreux dans notre association. Merci. Thank you.